MLE, une chaîne humaine sur la route DIG. La chaîne humaine initiée par le mouvement pour la liberté d'expression MLE s'est tenue comme prévu ce matin sur la route DIG vers l'axe Mbotchimanzac. Outre les journalistes fervents défenseurs de la liberté d'expression, des simples citoyens et des organisations politiques sont également venus grossir leur rang et c'est le cas également des habitants de Souamaman. La Latinera Koutunjazaf du mouvement MLE nous apporte des précisions. Nous pensons que nous avons largement atteint notre objectif, premièrement parce que les citoyens ont répondu massivement à notre appel et deuxièmement parce que nous avons pu réaliser cette chaîne humaine dans la tranquillité, avec beaucoup de sagesse et surtout dans le calme total, si ce n'est qu'au début de la chaîne humaine, de la manifestation, les policiers ont voulu repousser les citoyens qui sont venus. Peut-être parce qu'ils ont voulu montrer qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui sont venus. Et donc, ils ont essayé de limiter donc, la longueur de la chaîne humaine, mais ça n'a pas empêché les gens de manifester dans le calme. Nous pensons que nous avons atteint notre objectif. Nous sommes très satisfaits de la chaîne humaine d'aujourd'hui, ce qui nous encourage à continuer notre lutte pour la liberté d'expression. Que pensez-vous de la présence massive des forces de l'ordre pour cette manifestation? Nous pensons que c'est une réussite, hein, parce que si nous n'avons pas eu cette force-là, ils n'auraient pas, on va dire, déployé autant de forces de l'ordre, autant d'éléments de forces de l'ordre. Mais encore une fois, je répète que pour nous, ça n'avait absolument aucune utilité, hein, parce que vous avez vu vous-même que tout s'est tenu absolument dans le calme. Les participants qui ont formé la chaîne humaine le long de la route DIG ont brandi des banderoles ou se sont munis d'écriteaux pour exprimer leurs revendications. Certains demandent à ce que l'intérêt général soit prôné plutôt que l'intérêt des particuliers. D'autres disent non au musellement de la presse. Le collectif Wake Up Madagascar a également effectué une chaîne humaine, mais cette fois-ci du côté d'Andou Atapinak.